Nous avons déballé le Tigron Racer. En fait, c'est un Enchin Racer 250. Ici. Donc, nous allons faire un petit déballage. D'habitude, je fais un déballage en direct enregistré sur YouTube, mais là, je fais un déballage en direct sur Terre. Il fait quoi de beau? Ben, je vais déballer mon petit cadeau. Enfin, mon petit cadeau, mon petit jouet. Donc, voilà, en direct live. Attention, c'est fragile. Ah, c'est toujours du lisse, ouais, et du coup, bah. D'habitude, je fais un déballage en direct en vidéo sur YouTube. Et là, je me dis, bah, tiens, je vais faire en direct sur Facebook, comme ça, les gens ne savent pas. Donc, vous allez lire à l'envers, mais c'est un drone Enchin. C'est un drone Enchin Racer. FPV. Logiquement, il y a la caméra embarquée. Le petit écran de retour qui va prendre. Et du coup, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Un petit racer Enchin 250. FPV. Ça c'est une mini pot sûrement. Un petit peu stunner qui remonte, mais c'est du mélan. Une petite mini pot. Des petits zins, noir et noir, des souvenirs à la bande derrière. Des petits supports caméra, des petits clés, des petits clés, c'est pas des champignons hallucinogènes, c'est un petit antenne GPS pour la télécommande. Vu qu'il y a marqué TX. Je sais pas de toute façon, je vais le faire un peu plus. Je dis des conneries. Les petites piques qui vont mieux pour la télécommande. La petite piste de Melito. Chargeur de batterie, mais moi j'en ai un adapté bien plus de là. Là dedans, nous avons deux petits écrans de retour. Petit écran de retour vidéo à droite, droit au second là, qui tenait en XPV. Nous avons un adaptateur comme ceci, mais on ne servirait pas. La petite antenne de réception, ah, celle-là, les droits de commande. C'est trop bien. C'est bizarre que je vois aussi d'abord. Si vous avez une idée, les gens, c'est bon.
Voilà. Je vais tenter une réception pour recevoir une image. Et celui qu'on attendait tout à l'heure, en train de changer là, quand on est là, bien le bonjour. Parce que tout le monde a du sport. Cache sur la caméra. Si j'enlève pas le cache, la caméra on ne dira rien. Quelle marque. Et chill. Et là, magie. Si j'enlève le capuchon, ça on voit bien. Voilà. Si j'enlève le petit capuchon qui va bien. Et là. La caméra qui va bien avec la petite souris avec la voix, je sais pas où. On va faire un peu de plus en deux, hop, la souris elle est là-haut. Vous voyez la petite souris. Voilà le retour d'image. C'est que je prends le film, là vous voyez.
pouvez pas vous voir, mais on a un retour. C'est comme Humanity. Humanity, j'ai l'anti-spam. Si ça bug, il y a l'anti-bug, il y a l'écran anti-bug. Salut les Naoki. Salut les Naoki. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher les petites hélices dans le bon sens. Et puis, on va l'arrêter pour l'instant parce que je voir si ça marche vraiment et essayer de faire décoller. Ce qui est plus intéressant, c'est quand même de faire décoller un peu de rôle. La caméra, on va la débrancher. Pas mal. Comment on se fait ? Juste qu'il ne faut pas se louper le cadre de la porte et pas que je le prenne dans la gueule non plus en la caméra parce qu'il est vraiment pas loin de moi. Donc, on va tenter ça. Voilà. Alors du coup, on va le faire atterrir sur le faire décoller du carton, hein, comme aussi. Et on va faire sortir et rebrancher. Rajoute le choc sur le bras. Ah. C'est pas du tout bon tout bon. Allez, on va se le retenter et atterrir vraiment sur la position. On n'était pas là où il fallait vraiment. Allez, c'est reparti. Ça mérite pas des cœurs ça, l'atterrissage sur la petite boîte. Ah.